j'ai fait construire un nouveau studio pour Unchained en secret et je lui ai interdit d'entrer dans la pièce. Interdit à Unchained. Ça, c'est le studio que vous connaissez dans lequel on tourne les vidéos IRL avec Unchained. Et ben, vous ne le verrez plus parce que pour l'anniversaire de Charles, on a fait aménager un studio ultra stylé. Vous allez pouvoir le découvrir tout au long de cette vidéo. Ça a pris plusieurs mois entre la conception avec les plans du studio et la réalisation. Et en plus, il fallait garder le secret au maximum pour Charles. Alors j'espère que le studio va plaire à Unchained et surtout qu'il va vous plaire à vous. C'est le meilleur décor que j'ai jamais vu de toute ma vie. Dany, c'est quoi ce bordel? En chantier. T'as pas le droit de rentrer. Bah je vois, c'est marqué, j'ai pas le droit de rentrer. Je pourrais rentrer dans combien de temps? Dans un mois. Dans un mois? Bah je vais boire mon café. On va aller vérifier à quoi ça ressemble un peu les décors là. Jour 1. Bon là je crois qu'on vient d'arriver. On va rencontrer Bharat. C'est l'ingénieur qui s'occupe des décors. On a fait tous les designs avec une nana qui bosse dans le jeu vidéo. Là lui maintenant il s'occupe de tout construire, tous les trucs, toutes les idées qu'on a eues pour Unchained. On va voir qu'est-ce que ça rend et être certain que tout soit bien. Ils vont devoir construire plusieurs panneaux de 3 mètres de haut qu'ils vont ensuite recoller et assembler une fois dans l'appartement. Voilà, le rond, ça va être le rond qui se découpe là, comme ça, et ils vont le découper là, comme ça, par dessus. Tout le monde nous regarde, c'est bon, on peut y aller, on peut y aller. Bon, ça avance bien, et maintenant on va voir sur les jours suivants comment ça se déroule. Si, j'allais dire, s'il n'y a pas tout qui est cassé, mais... Non, on leur fait confiance, on leur fait confiance. Il m'a fait un peu peur quand il a commencé à marcher sur les panneaux et tout, mais j'ai confiance. Il y aura des traces de pas sur les murs. Des traces de pas sur les murs, ouais. J'ai pas trop peur. J'espère que les OP, ça va rembourser quand même, parce que c'est un peu cher, quand même. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Marge Deacon. Il n'y a pas de sponsor, mais il y a le code Unchained, boutique d'objets, les gars. Tous ceux qui m'ont déjà soutenu dans la boutique Fortnite, c'est grâce à vous qu'on peut faire ces projets-là. Boom accepté, ce décor vous appartient, car vous l'avez construit. Entre-temps, on a reçu le fond vert de ouf qu'il a fallu monter au 45e étage. Ouh, ouais, c'est du feu, mec. C'est un fond vert. C'est un fond vert. C'est pas un fond vert, c'est un écran de cinéma. Mais non, mais c'est énorme. Hop, il est en haut. Donc là, il faut que je vérifie tout le décor. Parce que quand tout est terminé, on va voir ce que ça donne maintenant. Et j'ai trop hâte, en fait. Demain, c'est la peinture, normalement, si tout est bon. Ça a de la gueule, c'est immense. Là, c'est le mur de l'angle. Donc ça sera pour intégrer la collection de baguettes que Charles aura, parce qu'il kiffe Harry Potter. Là, on pourra mettre des trophées, des cadres et des choses comme ça. Là, pareil, c'est une étagère qui est intégrée dans le mur. Ici, ça sera un truc infini. Là, pareil, ici, ce sera une autre étagère. Les panels, ils sont comme ça en bois. Derrière, il y aura plein de lumière. Et là, c'est la finition. Ça sera tout doux, vous voyez pas, mais c'est une espèce de tissu qui est trop, trop doux. Et ça fera trop, trop beau à la cam aussi. C'est une dinguerie, c'est trop stylé. Fin de la première semaine de travail. Tous les panneaux sont terminés. Il y en avait tellement, c'est plus grand que moi. Prochaine étape, l'installation des LED. Bon les gars, là je crois que je vais voir le logo. Il a été préparé juste là pour voir à quoi ça ressemble tout de suite. Waouh, ah ouais. T'étais pas là-bas, genre? Je me suis téléporté. J'ai su que t'allais faire ça. S'il te plaît! Non! Ah! Je ferme ma plaie. Oh. Au premier jour des travaux, là tous les trucs ont été construits et là il y a les gens qui sont en train de faire les papiers pour avoir l'autorisation pour monter. Là on voit tous les trucs qu'il va falloir monter. C'est tout le décor en petites pièces là. On voit, ça va être le centre, toutes les pièces, putain c'est insane. Waouh. Oh. Tout rentrer, c'est une dinguerie. C'est plein de partout. What the fuck. Il est midi, j'ai vidé la pièce. C'est le début des travaux. Ça, c'est la pièce qui a été complètement vidée. On a mis tout le décor que vous connaissez avec la table qui est là, petite étagère que vous voyez dans nos vidéos. On va voir combien de temps ça dure. Et yo tout le monde, c'est Unchained. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on est mardi. Mardi veut dire mise. Putain, comment j'ai tourné ma vidéo? Ça a pas mal avancé, ça commence à prendre forme du coup. Ça va être un peu compliqué là. Faut que je ferme les portes, faut pas qu'Unchained y voit ça. Les gars, je fais cette vidéo pour vous dire que c'est impossible de dormir tous les jours. Ça fait. Je vais faire la technique des AirPods, je vais mettre le réducteur de bruit. Ça, c'est une technique imbattable.
Je les entends plus. Je les entends plus. Ok les gars, aujourd'hui on vient de recevoir ça. Et ça, c'est une dinguerie. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va le déballer et on va le mettre maintenant dans le décor. Et vous allez voir, c'est une surprise de fou. Ah ouais, oh, c'est une dinguerie le truc. Oh, comme il est trop bien fait. Ça va être nickel. On va le mettre dans le décor maintenant, on va voir ce que ça donne. N'oubliez pas le pouce bleu. Non mais vas-y, va-t'en. T'as quoi? Vas-y, arrête. J'ai rien du tout là. T'as quoi? Montre. Va-t'en, va là-bas. Mais frère, regarde pas, c'est une surprise. Va dans ta chambre. J'y suis. Le décor est enfin terminé. On installe les chaînes et j'appelle Unchain. C'est le grand jour. T'as le droit de rentrer sur le chantier. Non, c'est vrai. C'est ton anniversaire. Attends. C'est le grand jour de Unchain. Joyeux anniversaire. C'est quoi ça? C'est pour que tu mettes pour aller sur le chantier. T'as fini les bouilles. Allez, viens, dépêche-toi. Attends, je suis avec les ballons. Ouais, bon, laisse-les là. Genre là, tu vas me laisser rentrer, vraiment. Vas-y. Allez, c'est parti, viens. Un mois, je peux pas rentrer ici. Je peux rentrer, t'es sûr? Pourquoi c'est sombre comme ça? Pourquoi c'est bleu? Là, je vois rien. 3, 2, 1. What the fuck? Wouah! C'est un nouveau studio? Je le savais, les gars, c'est un nouveau studio! Oh, il est incroyable! Et là, t'as vu, t'as tout pour contrôler les lumières. Juste, il manquait la déco. Je peux le remontrer ou pas? Si tu veux, quand il y a la déco, c'est bon. On termine et je le remontre. Vas-y, on fait ça, va. Let's go faire du shopping maintenant. Vous allez me voir faire du shopping comme vous avez jamais vu toute votre vie. Pour vous spoiler un petit peu, c'est le meilleur décor de tout le YouTube game que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je suis entièrement d'accord. Le gars, il y a même un skin qui sort du mur. Bah, vas-y, frère. Allez, on court! Parti. Mais c'est un truc de malade, mais j'y crois pas. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je peux jamais avoir de toute ma vie entière. Let's go. Ok, je prends le Uber. En plus, j'ai trop d'idées, mec, pour le décor et tout. On va mettre mon trophée dedans. Plein de trucs stylés et tout. Parce qu'en fait, le décor, c'est un truc 3D insane. Et tu sais qu'est-ce que ça me fait penser? On dirait qu'on repart au Japon. C'était un peu la galère. On a fait le décor alors qu'on était au Japon encore. Ouais, j'avoue. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, tu parlais à MrBeast, plus en même temps, tu parlais avec des gens pour faire le décor, mais mec, tu parlais à 10 mecs. Attention, bruit de moteur. Oh, dégueulasse. Hello. Imagine mon décor, c'est un vaisseau spatial où il y a des rangements. Et les rangements dedans, je peux mettre par exemple mon trophée, comme j'ai envie de mettre le trophée Gandalf. Ah, tu veux mettre Gandalf aussi? Ouais, Gandalf de ouf, tu vois. Et à mon anniversaire hier, j'ai PJP, DHM, plein d'autres gars qui m'ont offert des items Minecraft, mais dans la vraie vie. Du coup, je vais pouvoir mettre ça dans le décor. C'est là-bas. Là, on va faire le quatrième défi de MrBeast. Non, je... Ça, mec, pour mon décor, ça va être incroyable. Ah ouais. Je prenne tout ça. Oh, elle est lourde et tout, elle est aimantée. Regarde, je me déduis ça. Leviosa. Du coup, laquelle je veux, moi? Draco Malfoy. Il y a Luna Lovegood. Trio légendaire en Weasley, je prends. Je crois que Bellatrix, elle est trop stylée, sa baguette à elle. La baguette Double Door, je l'ai cassée en tournage. Lumos Maxima. Tu viens de casser ma baguette. Elle est stylée, hein. Ouais. Comment elle va tenir? Et là, c'est les baguettes méchantes, hein. Y'a pas les baguettes que je veux, Dani. T'es triste? Bah ouais. Lance un sort pour voir. Abonnez-vous. Good. Le décor, ça va être une frappe, vous êtes pas prêts. Taxi! Le taxi te regarde d'une façon. Wouah, ça s'ouvre tout seul. T'enlèves les baguettes. Ça rentre pas. Ah, voilà. On va où? Dans mon studio. On va poser la première statue. Et elle est d'art ou pas? J'ai un endroit où je vais pouvoir poser la statue. Je pense que je vais la poser dans l'angle comme ça. Oh, mais ça passe nickel! Incroyable. Première statue de poser. Et moi, je vais continuer à faire un petit peu le décor. Je vais aussi tenter de poser des choses là. Mec, c'est une dinguerie. Je vais vraiment terminer le décor et ensuite après, je vais tout vous montrer. Le truc de masse, c'est que Dany m'a donné ça. Ça va permettre d'enlever parce qu'on a mis un fond vert ici dans les cases. À l'intérieur de son vert, je vais pouvoir intégrer dans mes vidéos comme si en fait on est dans l'espace par exemple. Jimmy, Unchain Corp, incrustation, Mars. On va tenter d'améliorer, mais c'est vraiment en fait que dans les cases, si je veux, je peux mettre un fond vert pour vraiment faire croire qu'on est en train de voler dans le ciel par exemple. Et avec ça, je peux l'enlever quand je veux. Je crois que c'est comme une ventouse, un bail comme ça. Oh, 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 mec, c'est trop bien, frère. Mais c'est incroyable. Et là, hop, j'enlève le fond vert. Hop là, frère. C'est trop classe. On continue? Ici, c'est un endroit spécialement pour ranger les baguettes magiques. J'appuie sur ce bouton-là.
Hop. Et là, je peux monter ça comme je veux, comme ça. Et là, je vais poser les baguettes magiques. Alors, dommage, j'ai pas réussi à tous les avoir. On a Sirius Snake, Ron Weasley, celui-là, il est pas mal de ouf. Bellatrix Lestrange, elle est très jolie, cette baguette. Drago Malfoy et Albus Dumbledore. Dependant. Alors, le problème d'Albus Dumbledore, malheureusement, c'est que j'ai cassé la baguette. Maxima. Mais bon, c'est un souvenir de tournage, je l'ai cassé ici, mais c'est pas grave. Hop là. Première baguette de poser. Draco Malfoy. Pas mal. Ron Weasley. On les met. Severus Snake. On va mettre juste là. J'ai ici Ron Weasley. Hop. Et là, c'est Bellatrix Lestrange. Juste comme ça. Oh mince, comment elle va tenir celle-là? Yeah. Pas mal ou pas? Et hop, on peut refermer ce compartiment. On a encore ce compartiment-là qui est vide, mais pile à côté, je sais pas si t'as remarqué frérot, le skin Skelet Golden qui a été entièrement fait, personnalisé, qui fait un pouce bleu avec sa main. C'est une dinguerie comment c'est trop stylé. Il manque juste à peindre ses deux petits yeux. Tu vois, il sort comme ça et il regarde où? La caméra qui va être là-bas dans ce sens. On commence un petit peu à spoil, mais j'ai trop hâte de vous montrer la globalité parce qu'au centre, il y a un coffre. Marteau de Thor, frère. Juste là, comme ça, à côté des Reinigers. À côté de mon trophée, je vais mettre la box que Mr Beast m'a envoyée. Dedans, il y a les cartes Pokémon. Et juste là, frérot, une TNT comme ça, c'est DHM qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ici, j'ai envie de mettre un colis que Fortnite m'a envoyé. Fortnite Football Club, c'est limited edition avec deux pop ultra limited. Merci Epic Games, ça fait grave plaisir. Je trouve ça, ça fait trop joli avec le vert. Et je vais pas mettre que ça, des petits personnages aussi comme ça. Le petit Creeper, un autre petit personnage. Et au milieu, Gandalf est dans le décor. Je pense que c'est un endroit. Je kiffe de ouf, toi, c'est bien vert et tout. C'est trop trop stylé. Sur mon bureau, on va mettre le trophée. C'est le premier trophée que j'ai eu. C'est un abonné qui me l'avait offert quand j'avais eu les 300 000 abonnés. Du coup, frérot, tu vas être juste ici comme ça. J'ai aussi une photo. Et ça, c'est vous qui allez choisir où est-ce que je peux mettre ça dans le décor. Une grosse tête de Théo et Brice comme ça. Je sais pas trop où l'accrocher. J'ai peur que ça fasse tache, si tu vois ce que je veux dire. Oh. Est-ce que vous êtes prêts? Le studio est terminé à 99%. Je dis ça parce que voilà, il manque un petit peu du coup de peinture, sans plus. C'est ici où je vais faire mes prochaines vidéos. Ou sinon, j'aurai aussi mon fond vert. Et voici l'espace de malade. Voici le coffre. C'est une porte-coffre, c'est un bunker. Derrière ça, regardez, c'est un immense cercle. Tu peux l'ouvrir et derrière, il y a de l'or. Ou pas de... Regardez l'espace. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment avoir de l'espace, de pouvoir se balader, marcher. On a une table en plein milieu qu'on va pouvoir monter ou descendre pour en faire des réacts et plein de concepts à plusieurs autour de celle-ci. Là, j'ai mon setup gaming, les gars. Ben oui, ici, micro, caméra, directement la light avec mon logo qui va me permettre de lumière quand je vais m'asseoir tout simplement ici. Et regardez le décor qu'on a avec la caméra. Voici ce qu'on va voir maintenant dans les vidéos. D'ailleurs, on te voit, Dani. Tu trouves pas ça ultra stylé? T'arrives à voir à l'intérieur? Yo tout le monde, c'est Unchained. Bienvenue les amis dans mon nouveau studio. Oh les gars, les amis, j'ai trop hâte de faire les meilleures vidéos gaming juste ici. On a un PC ici avec des composants de malade. Bon, le décor vous l'avez vu, mais du coup maintenant vous pouvez voir, les baguettes sont là, le petit squelette, le pouce bleu. Franchement les amis, je veux 100 000 likes sur cette vidéo. S'il n'y a pas 100 000 likes, je me coupe une couille et je vous la donne. Bien entendu, dans la vidéo, vous avez beaucoup vu Dani, etc. Mais en vrai de vrai, on a bossé à deux. Ben oui, hein, croyez pas qu'il a tout fait tout seul. Du coup, là, nous avons des chaînes. Parce que Unchained, tu vois, déchaîner. Une chaîne ici, une chaîne ici, une chaîne ici, une chaîne ici. Ce qu'on va intégrer en plus maintenant, c'est une LED à l'intérieur des chaînes comme ça. Et je vais vous montrer les lights, tout ce qu'on peut changer comme lumière. Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que tu veux comme couleur, Dani? Rouge. Rouge, vas-y, rouge. Hop là. Et c'est un peu sombre là, tu vois, c'est pour des jeux d'horreur, etc. Là, on a un petit peu peur, tu vois ce que je veux dire? Ok, maintenant, je veux du violet. C'est du violet. Alors, même mon visage est un peu violet. Mais ce qu'on va rajouter aussi, c'est que regardez au-dessus, on a mis des coussins pour le son. Et là, on va pouvoir mettre des grosses lumières comme ça qui vont me foutre dans la gueule comme ça. Comme ça je vais bronzer en même temps de faire des vidéos. Bien sûr que non, c'est pour pas que je sois violet comme la pièce. Il faut que je sois bien une belle couleur. On a mis aussi ici, regardez, des petites mousses. Allô, tu m'entends ou pas? Tu sais, ça fonctionne bien. C'est de la bonne qualité tout ça, hein, j'aime beaucoup. Et au sol, on va aussi changer quelque chose pour pas que la voix elle résonne. Moi je voulais vraiment un studio insane pour le son. On va mettre tout simplement un tapis de salle. Comme ça on va pouvoir faire aussi du squat à 190 kg directement dans mon studio avec des barres comme ça. Et lâcher le poids et tout, il y aura pas de souci. Pour terminer cette vidéo, je sais pas quoi vous dire. Plus de 3 mois de préparation, beaucoup de budget, je vais pas vous mentir les amis. Tout ça, on l'a payé avec le Unchained Corp. Il n'y a pas eu d'OP, vous avez vu, il n'y a pas de placement produit, rien du tout. La seule chose que je vous demande les amis, c'est de suivre mes vidéos. Il n'y a rien d'autre à faire, tout ça les amis, c'est grâce à vous tous qui regardez mes vidéos tous les jours, que ce soit sur la chaîne gaming, la chaîne principale, tous les projets qu'on essaye de faire avec la team. Et merci aussi à ceux qui mettent le code Unchained. Parce que bien entendu, ça, ça a permis de mettre tout ça en place, d'avoir un deuxième setup ici. Tout, tu vois, de pouvoir payer Danny qui est en train de me filmer. Mais
Mais bon, moi j'ai envie de faire 7 ou 3 à 2 quand même. Parce que Dany, ça serait con quand même qu'il reste derrière la caméra. Alors qu'il a donné beaucoup du sien pour ce projet là. Je veux des GG à Dany dans les commentaires. Ça me fait plaisir. C'est ton anniversaire. C'est pas le plus gros projet en vrai qu'on a jamais fait. Bah, c'était compliqué pendant MrBeast et pendant tous les autres projets de le faire. Mais en fait, on essaye de continuer à vous faire une vidéo par jour. Mais en même temps, tenter de vous faire des projets qui prennent plusieurs mois. C'est ça en fait le défi. Moi, c'est ce que j'adore, les amis, c'est d'être genre une chaîne, mais comme un dessin animé. Tu vois, tous les jours, je suis présent pour vous, les gars. Et en plus de ça, vous vous lâchez des petits bangers comme ça. Pic, 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 ils vous piquent les yeux. Toi-même, tu comprends pas. T'es là, tu fais un arrêt cardiaque sur la vidéo. Bon allez, ciao ICMR les gars, ciao ICMR. Et puis hâte de commencer nos premières vidéos dans ce nouveau studio. Si tu n'as pas vu la vidéo MrBeast, tu peux cliquer juste ici. Ah t'es pas mal Dany, t'es pas mal hein. T'es pas mal, cliquez juste ici les gars, c'est aussi une masterclass. C'était Unchained et Dany, ciao bye ICMR.